J'adore le Super Smash. Yo, 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 va, va, voum, supersmash.fr. Aujourd'hui, on est accompagné de mon gars Bimae, mon gars Dai. Ça dit quoi, tranquille? On est là, doucement quand même. Ok, oui, ça va, frérot, merci. On est là pour la sortie du projet Weatherman, justement. Donc, alors, je vais me mettre sur Bimae aujourd'hui. Mais Dai, tu connais, frérot, ouais, si tu as des. Voilà, tu connais, si tu as des petits trucs à dire. Alors, dis-moi, frérot, comment tu as commencé la musique pour les gens qui ne te connaissent pas trop? Ben moi c'est Bimae, hein. Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. La musique, j'ai commencé comment c'était un peu, on va dire, au collège, hein. Mm-hmm. Avec un photo à moi, Ronex. D'ailleurs, Charles Ronex, on va connaître. Avec Missy, tu vois, et puis on a commencé à se faire un peu des petits clashs entre nous, tu vois, un peu à déconner, tu vois. Et voilà, un peu c'est parti comme ça, dans le délire, on a trouvé que ça passait bien. Et puis voilà, on a continué. Chacun de son côté après les années qui se sont succédées, tu vois. Mm-hmm. On a continué et puis là, voilà quoi. Ça a été, chacun a fait son petit bout de chemin, on a toujours fait de la musique. Et voilà, c'est parti comme ça, quoi. Ok. Et tu te souviens de qu'est-ce que tu écoutais à l'époque? C'est quoi tes influences à l'époque? À l'époque, c'était 50 Cent, Lil Jon, Eastside Boys. Ah ouais, Crank, Dirty. Yin Yang Twins. Ok. Ah ouais. Les vrais Crank. Ah ouais, c'était ça, tu vois. Ok. Et voilà, c'était l'enjaillement dur, tu vois, donc voilà. Oui, on va parler de ton côté enjaillement, drip, machin. Ouais. Et du coup, est-ce que, d'où tu sors toutes les expressions et tout? J'avais vu une interview justement, il y avait Dai sur l'interview qui disait qu'il y a beaucoup de termes que la dope utilise, que c'est toi qui es à l'origine de ça, tu vois. Ouais. D'où tu sors ces trucs-là? C'est quoi? C'est un jour tu te lèves, tu dis ce mot-là et puis... En fait, j'explique. Frérot, c'est comme ça dans ma famille, en gros, on est toujours là, toujours à faire des petites blagues, tu vois. Okay. Toujours, on est en mode rigolade, tu vois, il y a toujours cette ambiance dans ma famille. Donc, du coup, moi-même, j'ai ça en moi, tu vois. Mm. Donc, voilà, c'est le genre d'expression où toujours qui sort un peu hors du commun, des trucs comme ça, c'est toujours en moi, quoi, tu vois. Okay. Une façon de dire, dire une chose. Tu vois, toujours pour que ça passe autrement que les autres, c'est tu vois, c'est bien. Ça, toi, de dire les choses. J'adore faire ça, tu vois. Ok. C'est et c'est quoi ton expression préférée? Slide, glisse? Ouais. C'est quoi ton super glisse, j'ai entendu dans le projet? Ouais. C'est quoi super glisse? C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment glisse. C'est comme je dis hein, tout le temps, hein, c'est une façon d'être, tu vois, c'est en glisse. C'est vraiment, en gros, pour te dire, passe-partout, tu vois. Ok. Passe-partout, tu vois. Okay. C'est ça. Et voilà quoi, j'ai trouvé ça une fois, je sortais de soirée, mm-hmm. J'allais glisser dans l'escalier, j'étais avec des gars moi, sûr, okay. D'ailleurs Charlotte, tout ça, j'allais glisser et là c'est sorti d'un coup, tu vois, sur ma fonce en okay. Glisse, tu vois, okay, parce que j'ai bien rattrapé le coup, tu vois, je suis pas tombé finalement et voilà quoi, okay. Voilà, et puis c'est resté, et puis c'est parti dans un délire, tu vois, je me suis dit bon, dès que ça glisse, c'est que voilà, c'est passé, c'est au calme, tu vois. Et toi, Dai, c'est quoi l'expression que tu utilises le plus? Moi, ça slide. Ça slide. Ouais, c'est la même. Hein. C'est la même chose, ça slide, tu connais. À ma façon. Je le fais à ma façon, tu connais, mais ça reste l'écurie. Ok, ok. Et ben justement, j'avais fait une interview justement avec Dai où je lui disais qu'il utilise beaucoup de mots de l'argot français, tu vois, dans ses sons. Ouais. Et toi, frère, tu utilises beaucoup de trucs de l'argot américain. Tu vois, par exemple, j'ai noté « Anja killing a rat ». Jean smoking ou bien trouver mes con yak machin. Yeah. Est-ce que t'as pas appris que les gens ils comprennent pas trop quand ils sentent l'enjaillement mais ils comprennent pas le ils comprennent pas ce que tu dis. Après ouais ça des fois j'y pense tu vois mais c'est plutôt c'est vraiment du vite fait, je m'arrête pas trop dessus parce qu'après ça me met un peu des bâtons dans les roues, okay. Je serais pas à l'aise tu vois. Mm. Dans ce que j'aime bien faire, dans ce que j'aime entendre surtout quand je compose tu vois. Mm. Et je trouve surtout que la langue anglaise elle est un peu, elle passe bien, tu vois, sur la musique, tu vois. Donc, je me permets d'utiliser, tu vois, ouais, certains ouais. termes, tu vois, à certains moments surtout où ça va, où je sens ouais. avec la sonorité, ouais, ouais, ça ouais. va passer, ça glisse, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'utilise ça et. Et comment tu fais tes sons, toi, en studio? Comment ça se passe? T'écoutes, t'arrives avec l'instru avant? Ouais, j'arrive avec l'instru. Je l'ai déjà un peu tâté à la maison, tu vois. Mm. Je regarde un peu comment ça sonne, tout ça, comment un peu j'aurais pris. Mon rythme un peu, comment j'attaque sur le tempo, tu vois. Mm. Et là, ouais, au studio, c'est là où j'aime bien, j'ai toute la vibe, tu vois. Ouais, là, je ouais. commence à écrire bien, tu vois. Et là, je suis dans la cabine, tout ça, tout le délire. Mm. Et là, tout part. Tout okay. part, tout part.
en glisse. Ok. Et Dai, toi, comment tu définirais la musique de Bimaï en trois mots? Si tu as trois mots pour définir son style. Juif, étrange, okay. Percutant. Ok. Et toi, Bimaï, pour décrire la musique, ta musique à toi, trois mots. Moi, ça sort du cœur. Ok, ok. Aimer ça. Okay. Eh ben, et quoi encore? Et art et mélodie. Ok. Mélodie. Et justement, Daya dit, il a dit drip. Ça, c'est un mot vraiment très caractéristique de ce que tu fais. Parce que dans tes sons, tu vois, tu parles d'armes de drogue, mais vite fait, tu vois. On t'entend plus parler de drip, de... Ouais. D'enjaillement, tout ça. Est-ce que tu fais ça exprès ou est-ce que c'est... Tu réfléchis pas, c'est... C'est-ce ouais, que c'est un fait, truc que tu t'es dit, je veux aller dans ce créneau-là? En fait, la vérité, truc, drogue, machin, tout le monde a fait ça, tu vois. Ils okay. font tous la même chose. Mm. Au bout d'un moment, voilà quoi, tu vois. Ouais. Je me dis, vas-y, je vais utiliser ça. Et même si c'est utilisé de manière métaphorique, on va dire, tu vois, c'est des métaphores. Ouais, 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 oui, voilà, ouais. Je me dis, voilà, ça reste dans le délire, trap un peu, tu vois, c'est dans le délire, donc on utilise, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais pas trop. Parce qu'au bout d'un moment, ça lasse, tu vois. Mm. Surtout que j'arrive, c'est pas comme si je suis là depuis. Mais voilà, quoi. Mm. Tu vois. Donc, voilà. Même sur, on va revenir sur les sons bouillons que t'as fait qui ont bien pété. Ouais. Même sur du bouillon, tu parles de drip. Exactement, j'ai essayé sur ça. Même sur du bouillon, tu parles de drip. Avec, ouais, je suis rentré sur ça avec ce style-là. Ouais, je me suis dit, c'est ça. Ouais. Je vais faire ça, voilà. Ok, ok. Que ça soit à ma manière. Et ben, comment tu définirais justement ton style vestimentaire? Style vestimentaire, justement pas, j'ai toujours aimé la sape, hein. J'ai un grand frère qui, d'ailleurs, j'ai suivi un peu les sillons, j'aime bien la sape, tu vois, Shalaf, Fouy, Rocola Gucci, oui. Et voilà quoi, donc j'ai suivi un peu les sillons, et d'ailleurs j'ai un peu, je suis allé un peu là-bas, tu vois. Ok, ok, ouais. Tu vois, la famille, la daronne, tu vois, c'est un peu quelques pieds là-bas, tu vois. C'est un carré dans un ville, dans une autre ville. Je te jure. Avec cette expérience-là, tu vois, je me suis permis un peu d'ouvrir un peu mes yeux sur le style, tu vois, vestimentaire, tout ça, donc je sais quoi faire, tu vois, quoi mettre, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Ok, je me gêne pas, tu vois. Mais c'est quoi, c'est un truc que tu travailles ou juste tu... Non, t'aimes ça, tu mets ça dans le clip ou c'est un truc que t'étudies, tu te dis non, peut-être faut que je fasse ça. Non, ça c'est... En fait, comme j'aime déjà m'habiller, c'est voilà, j'ai juste à choisir, tu vois. Ouais. Je sais pas. Tous les gens, voilà. N'importe quand, t'inquiète. Ah ouais. Il va manquer même pour jeter les poubelles. Il va manquer des clips. Il va manquer des clips, il n'y aura pas assez de clips pour la sape. Ah ouais. Et mais justement, ça c'est un truc propre à Dupri, je pense, parce qu'on voit souvent des diamants, tu vois, dans les clips. Ouais. Sachant qu'aux Antilles, on est beaucoup porté sur l'or, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, là, pour vous, la question, vous deux, hein, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus dans ice, les trucs esquimaux, les trucs comme ça, tu vois? Dès le jeune âge, j'ai pas aimé l'or, tu vois, la couleur jaune, là. Ah, ok. Ouais, j'ai pas eu d'attirance pour ça, tu vois. Mm. Donc, dès le plus jeune âge, direct argent. Et après, tu vois, des fois, je coupe ça un peu or blanc, tu vois. Ouais. Des fois, tu vois, et même les pierres, hein, je te dis, bon... On n'est pas encore au stade de diamants, mais tu vois, j'ai du bon moissanite, tu vois. Tu connais ce que c'est? Ok, ouais, vois, ouais. C'est la qualité, je mets le prix quand même, tu vois. Mm. Et on me ramène le test. Ouais. Et donc, tu penses que c'est quoi, toi, Dave? Pourquoi toi, t'es aussi c'est sur les diamants et tout comme ça? Moi, c'est différent de lui, tu vois. Lui, il est très simple. Très, très bijoux. Ouais. Je suis fan de ça, tout ce qui est horlogerie. C'est qui le premier qui a ramené les diamants, le délire diamant, là, parmi vous deux? Ah, c'est lui, je crois. Ah, ouais, ok. C'est toi. Et toi, du coup, toi, c'est quoi? T'aimes pas l'or non plus ou ça te dérange pas? Ah non, moi, je kiffe l'or, j'ai de l'or aussi. Pas de soucis, j'ai pas de soucis avec ça. Après, moi, c'est plus... ça va dépendre de mon humeur, tu vois. Ça va dépendre de mon humeur. Un jour, je vais mettre ça. Des fois, je mets l'or. Ça dépend. Ok. Et donc, Bimaï, du coup, moi, frère, il y a un truc, il y a une fois, je sais pas si je t'avais vu en vrai ou c'était sur un clip, il y avait une paire de chaussures que j'avais pas aimé, je sais pas si tu connais les noms, mais c'était une grosse paire, ça s'appelle Up Tempo. J'avais vu ça dans le magasin, j'ai trouvé ça laid. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, ouais, en fait, c'est lourd, tu vois. Si toi, tu devais porter une seule paire de chaussures pour une semaine. T'aurais été quoi? Tempo, j'aime bien, tu vois. Ouais, c'est une que j'aime bien, c'est une des paires qui est les balèzes, tu vois. Ouais. Mais elle a son charme, tu vois. Ok. Mais c'est quoi ta paire préférée, genre? Après, Féro,
Les chaussures, j'en ai une centaine. Je vais pas te mentir, j'en ai une centaine. Donc ça veut dire là, le kiff même, c'est vraiment, il y en a pas, tu vois. Dès que le design il est bien, je peux kiffer sur plusieurs, pas de problème, tu vois. Ok. Alors, bah, du coup, ça c'est une question que je pose souvent aux artistes. Si tu devais faire un kiff, un son pour le kiff, un feat pour le kiff, un feat pour l'argent, ça serait qui? Tu dis, j'ai pas compris. Un feat pour le kiff, ouais. Un feat pour l'argent. Un feat? Ouais. Okay. Un artiste avec que t'aimerais en featuring, ouais. Un pour le kiff, un pour l'argent, ouais. Ok. Un pour le kiff, franchement, là. Franchement, je sais pas, hein. Peut-être avec les frérots. Hein. Mmh. Avec les frérots. Ok. Dai, franchement, toujours, dès que je kick déjà, Dai, je pense à Dai direct. Ok, ouais. Désolé, hein. Oublié, tu vois. Mais ouais. C'est comme ça, c'est vraiment entre nous, tu vois. Mmh. Vraiment, je vais pas penser à quelqu'un, je sais pas, pour faire un feat, tout ça. Pas pour le moment, en tout cas. Ok, ok. Voilà. Et si tu devais faire une collaboration pour de l'argent, vraiment, tu sais, ok. Je pense que cet artiste-là, ça va me rapporter des thunes. Française ou américaine? Peu importe, hein. Peu importe. Hein. Même toi, tu le verrais en feat avec qui, par exemple? Lui? Ouais. Pour le feat et pour le kiff et pour l'argent. C'est un carré, un Sauce Walka, okay. Ou un Kodak, ouais. Un truc comme okay. Ça, un truc décalé, tu vois, niveau vestimentaire, tout, je crois que ça colle bien. Ça aurait bien collé, ouais. Ok. Alors du coup, justement, on va parler de l'équipe d'Opry Gang, Tegin Hood, tout ça. Tu sais, on a commencé à beaucoup, moi en tout cas, personnellement, je sais pas pour les gens, mais moi j'ai vraiment commencé à vraiment entendre Be My souvent quand t'étais en prison, tu vois. Et j'entendais les gars, Free Be My, glisse. Toi, comment tu le vécu, comment tu le vivais toi à l'intérieur et que tu vois avec les gars et t'es en mode, ok, clip, machin, ça Free Be My, ça machin, ça prend tes trucs. Comment tu le vivais, toi? Franchement, je vais pas mentir, ça m'a mis un petit coup parce que c'était vraiment au moment où on commençait à bosser bien, tu vois. Ouais, je me demandais, est-ce que t'étais en mode frustré ou est-ce que ça te faisait plaisir un peu, tu vois? Non, moi, ça m'a fait plaisir, ouais. De ouf, ça m'a fait plaisir, mais d'un côté, je me suis dit, oh, normalement, tu vois. Je serais dans la redjet, là, ouais. Les gars, tu vois, on fait les bails, tu vois, parce que, tu vois, c'était ça un peu. Mais je kiffais de ouf. Je me disais, le taf, il est fait, les images sont bonnes, tu vois. Ouais. T'aurais aimé être là. Tu vois, donc, c'est carré. Ok. Et c'est pendant cette période-là où t'étais en prison, est-ce que tu faisais du son quand même ou est-ce que t'étais... Parce que vu que toi, c'est quand même très... c'est street, mais c'est de la bonne humeur quand même. Ouais. Quand t'es en prison, t'es pas trop dans le mood. Est-ce que t'arrivais à écrire des sons en mode ok, drip, machin, ou est-ce que t'étais en mode ah, j'écris pas... Est-ce que tu faisais du son, est-ce que t'écrivais? Comme j'étais pas tout seul en cellule, franchement, j'écrivais, mais c'était vraiment du vite fait. Ouais, c'était vraiment du vite fait. C'était vraiment des trucs, genre je commence et après c'était à terminer, tu vois. Ouais. Après, je suis pas resté énormément de temps, j'ai fait 2 piges là-bas, donc après, bon, c'est passé vite fait. Tu vois, on finit en mode dehors, tu vois. J'ai fini le taf dehors. Mais c'était pas. J'avais pas vraiment l'occasion, les mecs ils chantaient pas dans la cellule. Ouais, t'étais pas dedans, pas ouais. T'as kické tout, ouais, tu vois. Alors, casser les couilles, tout ça. Que des fois, ils allaient en promenade, là, je profitais un petit peu. Ah ouais, c'est vraiment quand t'étais tout seul. Ouais. Ok. Que là, mais sinon, tu vois. Alors que quand t'es à l'extérieur, t'es avec les gars, tout ça, ouais. Ok, ouais. Alors du coup, on va parler du projet Weatherman. Déjà, pourquoi t'as appelé le son comme ça, le projet comme ça? Weatherman. Ouais. Weatherman, déjà, bon, tu sais ce que ça veut dire, hein, météorologue. C'est le gars de la météo, ouais, voilà. Météorologue, ouais. Tu vois, bon, tout ça, ça vient du drip, hein. Ok, ouais. Acabou, lui, quand ça joue de là, des mains en notre genre, sauver. Ok. Ah ouais, today I'm like I am, tomorrow I will be. Ok. Understand. Ok, maintenant, eh ben, ça vient de là. Okay. Voilà, c'est Weatherman et c'est ça, tu vois, c'est, ça vient du style, tu vois. Et voilà, c'est pour te dire, c'est comme ça. Tu vois, même sur le projet, les sons ils se ressemblent pas trop. Comment t'as eu l'idée du projet? Est-ce que tu t'es dit, ça fait un moment que tu t'es dit je vais sortir un projet, ou est-ce que ça s'est fait comme ça? T'as dit, ah, j'ai plein de sons, je les sors. En fait, j'ai rencontré un ingé là qui est sympa, tu vois. D'ailleurs, Charlotte Auto, automatique, oui, ça. Panama Prod. Tu vois, original Panama Prod. Mm-hmm. Voilà, on a tissé un peu des liens, tu vois. Et là, j'ai commencé vraiment à bosser, tu vois. Et là, j'ai recommencé à grouper, regrouper un peu des sons. Et là, j'ai dit, je vais faire un projet, tu vois. Ok. Et c'est quoi ton top 3 dans le projet? Vous deux même, carrément. C'est quoi vos top 3 de ce projet-là? Déjà, moi, l'intro, déjà, j'aime bien. L'intro, c'est j'aime bien, ça te met dans un délire, ça t'envoie, tu vois. C'est pas trop lyrical, mais c'est de la mélodie qui t'envoie un peu, tu vois, ça te fait penser un peu. Tu vois, si t'es un money maker, tout ça, ça fait penser un petit peu. Moi, je vois ça comme ça. Et le deuxième, c'est quoi? C'est full trap, parce que bon, j'aime bien le côté banger. Et le troisième, c'est Ice Up avec Dai. Tu vois aussi. Tout ça, trap avec beaucoup de mélodie, tu vois. Ça, j'ai kiffé ce morceau-là aussi, tu vois, troisième. Mais ça, c'est quoi, toi, ton... Peut-être pas top 3, mais ton son qui t'a... En vrai, moi,
c'est de la triche, ouais. Tu connais, moi, je suis le meilleur supporter. Ah ouais, tu connais, non, sérieux, voilà, non, le projet, moi, je suis le meilleur supporter. En plus, surtout, moi, je l'ai écouté avant tout le monde. Ouais, je suppose. Et puis, il y a des sons qui sont peut-être pas dedans. Forcément écouté en même temps. Il y en a qui l'a posé des mois décalés, voire des semaines décalées, tu vois. Donc franchement, moi, je l'ai pas pris le projet comme, comme un auditeur de base. Donc moi, tous les sons, je les kiffe. Ouais. Je les ai saignés un par un chacun. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, même avant que ça sorte, peut-être. J'ai pas écouté tout le projet, c'est nouveau pour moi. Ouais, j'ai capté, ouais. Donc, ouais, lui, il peut te le dire parce que c'est lui qui l'a produit, mais moi, je suis tout le temps avec lui, ça se bute, tu vois. Et on va parler d'un morceau très intéressant, Kelly. Alors, Kelly, c'est un R&B, frère. Je pensais pas du tout que j'allais avoir un morceau R&B sur ton projet. Comment t'as eu l'idée de ce morceau-là? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme je vais le montrer très certainement, j'aime bien la musique en général, tu vois. Donc, quand j'ai un poteau à moi qui chante, par exemple, une autre vibe que moi, et il me dit, bon, je te vois bien sur ça, tu vois, je me gêne pas d'essayer de, tu vois. Tu vois, et comme d'ailleurs là, hein, je pourrais dire, je vais peut-être en février là, sortir un projet avec justement mon ingé qui fait un peu de R&B, afro, dance, un peu comme on pourrait dire. Afro, c'est ça, c'est musique afro. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà. Il m'a dit, viens, on fait ça, tu vois. Du coup, là, on est à 3 morceaux. Peut-être on va sortir un quatrième pour faire un projet, tu vois. C'est vraiment pas mon délire. Donc, je me suis dit, je vais adapter ce que je sais dire là-dessus, tu vois. Ok. Et voilà. Et c'est la première fois que tu faisais un son comme ça ou ça t'est peut-être déjà arrivé qu'il n'est pas sorti ou... Ça m'arrivait, mais toujours en secret, tu vois. Ok, Moi, te couper, frérot, mais lui aussi, c'est un mec qui cherche beaucoup la perfection. Okay. Ça veut dire qu'il a plein de sons du même type. Nous, on lui dit, ah, c'est bon, envoie, et il n'envoie pas. Tu vois, il cherche vraiment celui qui sent, dans un mois, il va l'écouter, il lui donne encore la chance, tu vois. Donc, c'est pour ça que, mais en fait, il y a plein de sons comme ça, en vrai, qui traînent, il y en a plein. Il y a plein de sons. C'est juste que, voilà, c'est peut-être pas des projets finis ou des choses pas exploitées jusqu'au bout, tu vois. Mais en vrai, il y en a plein. Et bah justement, en fait, je suis content que tu sois à côté parce que j'allais te poser une question tout à l'heure, Dave. Et du coup, alors attends, on revient à Kelly. Kelly, comment t'as eu l'idée du morceau? Enfin, est-ce qu'elle existe, Kelly? Est-ce que, pour les gens qui connaissent pas, qu'est-ce que ça raconte et tout? Alors ça, je te jure, j'ai jamais demandé à mon poteau, d'ailleurs. Il faut que je lui demande. Bon, on est déjà arrivé là, mais il faut que je lui demande. Je sais pas c'est qui, Kelly. Moi, je me suis dit, peut-être c'est une meuf comme ça. Elle dans les herbes. Je me suis dit, bon... On va partir sur ça, sur une base de Kelly, et après on y va. Ok. N'importe quel nom, en vrai. Voilà. Et alors, du coup, ben justement, toi, t'as pété avec deux morceaux bouillon. D'ailleurs, je savais même pas que c'est toi qui chantais ces sons-là. C'est quand, une fois, je sais plus c'était où, c'était un gros festival. Ah ben, attends, si, la colle. Ah ouais, la colle, ouais. Voilà, je suis là tranquille, j'entends le son qui est en tête en scène. Et puis je tourne la tête pour sur la scène, je vois que c'est toi. J'ai dit, mais c'est caché, t'es devant tout ça, Moon. Et puis du coup, après, j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, le son est en train de péter et tout, machin. Et laisser glisser aussi. C'est quoi le début de ces morceaux-là? Comment Bimaï arrive à faire deux gros sons bouillons? Alors les gens peut-être vont penser que c'est récent, tu vois. Mais comme tu dis, ça fait un petit moment que je tâte quand même. Bon, spread, hein, tu vois. Mon premier bouillon, je l'ai fait en 2010. Tu vois, personne ne le connaît. Ah ouais. Ils le connaissent pas, il est pas sorti. Il était sur... il est encore sur Skyblog, je crois. C'était vraiment à l'époque Triple K. Il y a plein d'artistes bouillons connus maintenant qui chantaient même pas encore, tu vois. Ouais. J'avais déjà commencé à tâter ça, tu vois. Okay. Parce que c'est de la musique de chez nous. Tu vois, j'ai aimé ça, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais en faire la musique de chez nous. C'est chez moi, je vais en faire. C'est une carrière. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai fait ça et puis je me suis dit, bon, depuis 2010 et après 2014, il y a eu l'autre Laissez glisser, je l'ai fait depuis 2014, les gens ils savent pas. Ah ouais, 7-8 ans après que ça pète. Mais tu connais, des fois quand t'es pas un mec de tel quartier reconnu, les gens ils captent pas tout de suite, tu vois. Mais qu'est-ce qui, selon toi, ça a fait que le son il pète 8 ans après? J'adore G-Sype, hein. G-Sype, il a porté son il a porté sa tête, ses couilles, comme on pourrait dire. Tu vois, il a mixé le son, il a dansé dessus, tu vois, j'ai kiffé. D'ailleurs, vraiment, il donne la force, tu vois pas. Et là, les gens, ils ont découvert le son. Ah, tu penses que c'est depuis un mix quand il... C'est ça. Lui-même, je pense qu'il a découvert aussi dans une vidéo comme ça, tu vois, où il y avait, je crois, une manifestation à la Boucan Saint-Rose, tu vois, le quartier, là où ils font les grosses grèves, tout ça, là-bas, au bled.
Et lui, il s'est pas gêné, tu vois. Il a remis ça, il a ressourcé ça vraiment, tu vois, parce qu'il a kiffé. Mmh. Je me suis dit, c'est bien ce qu'il fait, tu vois. Et depuis là, les gens, ils ont connu. Et là, j'ai eu une demande de Vador, tu vois, Vador Concept. Okay. D'ailleurs, Shard Art aussi. Mmh. Il m'a demandé de faire un son sur son projet Bouillon King, tu vois, le volume 1. Oui, ouais. Et là, j'ai fait place out, tu vois. C'est sorti comme ça dans ma cuisine. J'étais en mode pédo, tu vois. Et comment, alors là, je vais te poser la question. À toi, Dave, toi qui est avec les gars et tout, machin, comment vous prenez ça? Quand les sons qui pètent de Bimaï, c'est des bouillons, alors que vous êtes vraiment dans votre monde, drip, trap, machin, vraiment de la musique dure, tout ça. Moi, perso, moi je kiffe parce que je suis comme Bimaï, on aime la musique. Mm. C'est pas que du rap ou du trap, c'est on aime la musique, tu vois. Mm. Donc moi je kiffe, ça me plaît, moi je vois. Putain, on arrive. C'est ouais. Comme quand il réussit, c'est comme si c'est moi. Toi aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je suis là, je vis le moment avec lui, je suis tout le temps avec lui. C'est pareil pour moi, tu vois. Mmh. Peu importe le domaine, ça reste de la musique. Okay. Donc pour moi, c'est super. Ça, ouais, c'est ouais. Tout bénéf pour nous. Okay. Quand il le fait, c'est tout bénéf. Donc pour tout le monde était content en mode ah ouais, ouais ça, tout, ça, ouais, tout okay. Bénéf. Et encore, c'est encore mieux quand tu sais que les gens. J'ai l'impression que quand les personnes ne savent pas, c'est nous, c'est plus facile. Mmh. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'ai l'impression que s'ils auraient su c'est nous, ben ça aurait pas pété autant. Ok, tu pensais par rapport à quoi? Ouais, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Ouais, j'ai ce ressenti, tu vois ce que je veux dire? Que le fait qu'il était un peu dans l'anonymat, au tout début, personne savait vraiment c'était qui ou quoi. Ouais, ouais. Il y a pas de clip, pas de visuel. Tu penses que ça a aidé au succès du morceau? Ouais, j'ai l'impression que c'est plus facile. Je sais pas, peut-être les gens ont plus apprécié la musique et moins le personnage, tu vois. Mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous dégagez? Par rapport à ce que vous représentez? Non, pas forcément, mais je sais pas, c'est le feeling, c'est la musique, vraiment de la musique. Des fois, t'écoutes un son, tu sais pas c'est qui, mais tu kiffes le son. Bah alors oui. Que peut-être si tu vois le clip, tu vois la gueule, bah, tu vas direct juger le feeling ou le look. Tu vas dire, j'aime pas. Je vois. C'était vraiment que de la musique. On parlait musicalement. Et vous vous êtes rendu compte de l'impact de ces deux morceaux-là ou c'est. Vous êtes même pas rendu compte que les gens écoutaient plus ce morceau-là que d'autres morceaux? Après, ouais, c'est chez moi, je reçois des vidéos. D'un coup, comme ça alors? Ouais, d'un coup. Je reçois des vidéos en rafale, je me dis, ouais. Il y a un bordel là. Là, c'était sur quel morceau? Sur le laisser glisser ou le. Ouais, c'était ça, ça a commencé depuis là. Il n'y avait même pas encore l'autre. Ok, ok. Voilà, donc là, ça a commencé là. J'ai dit, ouais, il y a un bordel. J'ai dit, mais ok, vas-y. Ben, vas-y. Ben, c'est comme ça, vas-y, c'est comme ça. Mm. C'est parti. Ensuite, quand j'ai dit, j'ai eu la demande là, de Vador. Ouais. J'ai envoyé l'autre son. Mm-hmm. Lui, encore, il est passé. J'ai dit, ah putain, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Vas-y. Ouais, ouais. T'as pris vas-y. Comme c'est venu. Ah, on prend ce qui vient. Mm. Et c'est pas frustrant pour. Parce que je suppose que toi, t'as plein d'autres sons que t'as fait que tu kiffes plus que les deux bouillons que t'as sortis. Ouais. Est-ce que c'est pas frustrant pour toi de te dire. Putain, j'ai posé ça, les gars kiffent de ouf alors que j'ai ce son-là, putain, les gars n'ont pas vu ce son-là, tout ça. C'est pas trop frustrant ou non, tu kiffes? Non, je kiffe. Okay. Je kiffe, tranquille, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. De toute façon, c'est musique à KF, c'est musique en café. Mmh. Donc voilà, y a pas de souci qui est au pointeur là ou l'autre là. Mmh. Nouveau, ouais, ça aurait été frustrant si on aurait été que dans le rap. Ouais, je vois qu'on fait vois. Un truc glissé pour rigoler et que c'est pas notre créneau. Ouais, voilà, ça aurait été frustrant. Tu te dis putain, ça veut dire s'il faut que tu vois, faut que je fasse ça, j'aime pas. Ouais, mais là, tranquille, on s'amuse. J'ai été entendu, j'ai été écouté dans tous les cas. Ouais. Que ce soit trap ou. Ouais. Puis en vrai, t'as pas changé tant de discours que ça, tu vois. Mais comme la dope que vous êtes connu, tu vois, il y a eu Jogging à un bord, il y a eu combien de son gros drip, machin, bah avec toi d'ailleurs au refrain, des trucs comme ça. T'as... Même toi, Bimaï, la première fois que les gens entendent Bimaï, c'est parce que t'es en prison, tu vois, c'est pas dans des conditions, je veux dire, de mec feta où on te voit, tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est clair. Donc peut-être que c'est pour ça que je disais, est-ce que ça t'a pas frustré ou que. Non. Mmh. On est des mecs cool. Ok. On est des mecs cool, nous, tous les jours, on casse des bars. Hein. Ok. Tu crois pas, on parle de gang, je sais pas quoi. Tous les jours, on casse des bars, ça va à mort. Mais il y en a qui se même tellement ça va. Ça s'arrête quand il faut. Ouais, ça s'arrête, mais voilà. On s'est compris. On est des mecs cool, hein, c'est pas. Et du coup, bah, dans le projet, parce qu'il y a du coup, il y a peut-être plein de gens qui se seraient dit, ah, il va sortir un projet full bouillon. Eh ben non, dans le projet, il y a un seul son bouillon. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que t'as pas calculé? Est-ce que ça arrive? Est-ce que. Franchement, j'ai, comme je te dis, hein, musique, hein, j'ai pas calculé. Okay. C'était comme ça. Voilà, je suis un peu plus. Je compose un peu plus de sons trap que bouillon, ça c'est sûr. Mm-hmm. Tu vois? Parce que de toute façon, le style, il est un peu plus large, hein, comme tu sais. Le bouillon, c'est vraiment. Oui. Voilà, on sait très bien. Mm. Voilà, donc voilà. Donc par rapport à ça. Voilà, c'est un projet, le projet est sorti comme ça, il est comme ça. Ok. C'est pas choisi, quoi. Ok. Donc c'est pas impossible que demain on te voit peut-être sur du zouk, de l'afro, des trucs comme ça.
Le zouk, peut-être pas. Okay. Mais l'afro qui se rapproche un peu de ça. Ouais. Qui est un peu plus stylé, je trouve d'ailleurs. Ouais, qui est un peu plus mixte. Ouais, c'est lourd. Hein. Bah, c'est lourd l'afro. C'est un mixte pour moi dans ma façon de voir les choses. Voilà. Ouais. Soyez pas étonnés. Ok. Voilà. Et donc, toi, par rapport au bouillon, etc., est-ce que tu penses que c'est plus exportable notre... Enfin, toutes les musiques qu'on a chez nous aux Antilles, tu vois, qui sont plus rythmées, c'est-à-dire le bouillon, le chata, tu vois, les trucs comme ça. Est-ce que c'est plus exportable, ce genre de musique-là, que les musiques plus urbaines, on va dire, trap, dancehall rough, tu vois, les trucs comme ça. Moi, je dirais la musique festive elle emporte. Ouais, ça elle emporte tout le temps. Elle est emmenée partout. T'as besoin de comprendre les paroles. La musique, t'as pas besoin. Voilà, c'est la rythmique qui va compter. Elle va jouer beaucoup. Tu vois, et voilà. Ça va l'emporter, c'est sûr. Et est-ce que toi, ça t'énerve? Parce que je sais qu'il y a certains artistes que ça énerve de voir que, justement, vu que là, avec les réseaux sociaux, TikTok et tout machin, que la musique festive de chez nous, soca, bouillon, dancehall, chata, ça s'exporte, même zouk en vrai, ça s'exporte en France et que t'es des gens qui ont rien à voir avec cette culture-là, qui posent sur ça, que je sais pas comment te poser la question. Que nous, Ils ont du profit. Est-ce que par exemple, ça t'énerverait de voir un rappeur français qui fait du bouillon sur et qui se pète plus que toi qui as fait un gros son bouillon qui tourne depuis un moment, tu vois? Non, si le taf il a été bien fait, le mec il a bossé, la mélodie est bonne, il y a quoi à dire? Non, parce qu'en plus, le mec qui va s'intéresser, peut-être il va s'intéresser vraiment au bouillon, il va tomber sur un autre son, tu vois? Il va découvrir l'univers bouillon, il va changer d'artiste peut-être, tu vois? Non, même pas, c'est bien. Tant qu'ils apportent de la lumière sur notre communauté, Donc tu fais justement, pas partie. Justement, on est trop coincé dans notre coin. Parce que ça sorte un peu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent ouais, pourquoi les rappeurs posent sur du zouk? Pourquoi les rappeurs? Parce que là, Ayana Kamoura va sortir son album. J'ai des échos qu'elle a fait un son bouillon, tu vois. Ouais. Et sur Twitter, les gens étaient pas contents. Ouais, ils nous volent notre musique aux Antilles, nanana. Pourquoi voler? Faut qu'au final, elle devienne internationale. La musique, pourquoi ça personne. Faut qu'elle devienne internationale, la musique, cette musique-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas nous? Tous les autres sons qu'on écoute, ils sont internationaux. Tu vois ce que je veux dire? À l'international, tu vois? Ben voilà. Ok. Donc pour toi, ça peut être une porte pour que les Antilles soient plus pris au sérieux au niveau musique. Ben oui, pourquoi pas. Par celle-là, pourquoi pas. Ok. Et parmi les deux sons là, du coup, c'est lequel que tu préfères, parmi le Laisser Glisser et le Plassard? Bon, alors je dirais Plassard, parce que bon, Laisser Glisser... Oui, ça fait un moment, ouais, voilà, du coup, tu m'as dit... 2014, t'imagines, j'étais un peu plus jeune, c'est un autre délire, tu vois, ça s'entend un peu. C'est un peu plus dans le délire comique, tu vois. Voilà. S'éclate. Et là, dans Plassard, tu sens que là, j'ai vraiment mis mon style dans le bouillon, tu vois. Ok, c'est vrai. Est-ce que du coup, tu as déjà d'autres projets de bouillon, ou bien tu as fait ces sons-là, mais tu vas pas revenir dessus ou faire d'autres morceaux similaires ou des trucs comme ça? Je vais en faire. Ok. Bouillon, je vais en faire. Trap, je vais continuer à en faire. L'afro, si je vois que ça va passer là bientôt en février, si je vois que les gens ils aiment, je vais continuer. Et je vais continuer. Ok. Voilà. Et c'est quoi toi ton style préféré? Quel est-ce que t'aimes vraiment? Parce que dans le projet, il y a plein de choses. Hein. Et tout à l'heure, j'en parlais de ça avec Pichon, il disait ouais, il y a plusieurs styles de trap. Mais c'est vrai que dans ton album, les gens peut-être qui connaissent pas, ils vont dire ouais, c'est du trap. Mais il y a du trap, il y a du R&B, il y a du trap drip, t'as plein de trucs différents. Ouais, c'est quoi que toi, vraiment, t'as du trap à la Gunna? C'est quoi vraiment ton style que tu préfères? Ben justement, c'est plus trap, parce que justement, c'est plus ouvert dans les mélodies, tout ça. Donc je préfère, tu vois, je me sens un peu plus... c'est plus rassurant, tu vois. Ok, ouais. Il y a plus de taf à faire là-dedans que dans le bouillon qui va rester un peu... Ouais, toujours la même chose. Voilà quoi, voilà. Okay. En tout cas, pour le moment, pour le bouillon. Peut-être demain, ça va évoluer, on verra comment. Mais là, pour le moment, avec ce qu'on sait, c'est un peu... Voilà. Ok. C'est quoi pour toi ton morceau le plus sous-coté? Un son à toi que t'écoutes, tu te dis, ah ouais, ce son-là, il aurait dû plus... Un plus son petit. À moi? Ouais. C'est un son que j'ai fait avec La Rose, tiens. Ok. Un son que j'ai fait avec La Rose. Your Bitch Calling Me. Tu vois, il est sur YouTube, j'avais fait un poteau à moi, mais tiens, sur YouTube, justement, pendant que j'étais au placard, histoire de faire vivre un peu mon nom, tu vois. Ouais. Et je vois le son, on sait pas, bon, je vais même pas dire un flop, je le respecte pour le son, tu vois. Ouais, t'étais à l'intérieur, ouais. Il y a de la mélodie, il est encore sur YouTube, d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, tu vois. Il y a de la mélodie, tu vois, il est bien le son, tu vois. Je me dis, il aurait pu quand même être plus connu. Okay. Tu vois, surtout que La Rose est un peu plus connue que moi, tu vois. Et voilà quoi, je me dis, ça aurait dû péter un peu plus. C'est juste ça.
Et du coup, est-ce que justement, quand pour les sons que tu as fait, il y a plein de trucs différents, est-ce que vous avez des stratégies sur peut-être qu'on devrait clipper ça, est-ce qu'on devait... Parce que tu sais, quand tu as un artiste, on va dire c'est un artiste drill, il fait que de la drill. Ouais. Tu dis, allez, il a fait 8 morceaux drill, tu vas dire, bon, parmi les 8 morceaux drill, celui-là, il est peut-être plus choquant, on va peut-être miser sur celui-là. Mais quand c'est, par exemple, un projet comme toi, où il y a plein de palettes différentes, comment on choisit le son à... Ah, on va peut-être clipper ça. Ah non, pas ça. Ah. Justement, par rapport au top 3. Ouais, ah, ok. Top 3, on se dit, bon, ça... Donc, c'est par rapport à votre kiff, pas par rapport à ce que les gens veulent kiffer. C'est ça, par rapport à peut-être mon kiff, et si un poteau à moi, il me dit, ah, frérot, celui-là, non, tu vois, histoire de faire kiffer un peu tout le monde, on va dire, je peux arriver à faire un clip, tu vois. Ok. Et justement, par rapport au clip, tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le clip, c'est le plus important en 2023. Ouais. Sauf que là, il y a le contre-exemple, parce que toi, les deux gros sons qui ont le plus pété, ils ont pété même avant qu'il y ait des clips. Ouais. Comment toi, est-ce que tu as ce rapport au clip-là, en mode, il faut à tout prix en faire, ou bien, non, on n'est pas obligé, ou bien... Ouais, des fois, il y a des sons où la mélodie, elle parle déjà, tu vois, mais il manque une image pour l'accompagner. Il y a des sons où tu sens ça. Mmh. Où tu sens que juste tu rajoutes l'image, le son il va parler un peu mieux. Donc là, par rapport à ça aussi, des fois tu te dis faut faire un clip pour compléter un peu tu vois, le message. Ok, d'accord. Et du coup, donc là, le prochain clip là, qui sort, c'est quoi? T'as déjà un truc prévu? C'est quoi la suite là, du coup, pour toi? Là, normalement, j'ai prévu de sortir un clip sur d'un son sur le projet là. Ok. C'est on my shit là, c'est ça? Ok, ouais, on my shit, ok. C'est ça. Et là, je vais clipper ça, je vais clipper ce son là parce que bon, le mec qui me filme, il a aimé ce son là. Donc voilà, justement, comme je te disais, on va faire ça. C'est vraiment l'entourage quoi, ok, ouais. Voilà, j'ai par rapport à lui, j'ai dit bon, cette fois-ci, je vais te faire un kiff, on va faire ce clip là, tu vois. Donc là, on va essayer de faire ça un peu au mieux qu'on peut, tu vois. Voilà. Ok. Et du coup, justement, il y a trois feats dans le projet, dont un avec Dai. Comment ça se passe avec Dai dans le studio? Comment vous faites ce son-là, justement? Parce qu'il parle de bijoux, d'ailleurs. Okay. Comment ça se passe? Dai et moi, il suffit qu'on mette un instru à jouer et on trouve que l'instru, il passe bien. Le message après, franchement... Ça glisse. Le premier qui trouve la parole, l'autre qui suit, et ainsi de suite, tu vois. Voilà. Dai, toi, tu te vois pas faire un bouillon ou un truc comme ça un jour? Si, carrément, mais à ma façon. Ok. À ma façon. J'ai hâte, Ok. À ma façon, tu vois, si je fais un bouillon, ça sera pas... En fait, tu vois, si je fais de la musique, faut pas, j'aime pas faire, me dire, ouais, faut que je fasse comme les autres. J'ai capté, ouais. Tu vois, faire parce que les autres ont fait. J'aime bien, mais je le ferais quand je sentirais peut-être un beat ou un thème peut-être pas exploré, ou tu vois, une façon de faire qui n'a pas été faite, tu vois. En vrai, c'est moi, je lui ai dit de faire. Ok. C'est lui qui commence un peu à me brancher, il me dit, vas-y, explore. Tu vois, quelque chose. Comme j'aime la musique, je me dis, vas-y, je vais tester. Ça se trouve, je vais kiffer. Regarde, Ice, début, j'étais pas trop chaud. Ouais, t'es sûr, tu me dis, t'inquiète, vas-y, j'y étais. C'est vrai que ça change aussi. Quand j'ai écouté le son, je me dis, ah ouais, lourd, en fait, je vais faire plus de choses comme ça, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a une différence d'approche quand tu écris un son bouillon que quand tu écris un son rap? Est-ce que tu as une autre manière de... J'essaie de rester dans mon délire, mais toujours en respectant ce que le public aime entendre. Ouais, t'as des codes, ouais. Parce qu'il y a quand même des codes dans le bouillon, en vrai. Il y a des codes dans le bouillon. Il y a des codes. Tu vois, donc, comme dans le son Plaçard, tu sens que j'ai un peu le délire, un peu... qui arrive un peu façon trapping. Ouais. Mais en même temps, ça parle un peu des choses qu'ils aiment entendre. Ouais, sinon, ils sont égarés. Parce que dans le trap, t'as pas tant de code que par rapport au bouillon ou les trucs dansants, en vrai. Tu peux chanter en décalé, ça crée un flou. Tu peux chanter d'autres choses. Tu peux chanter d'autres choses, des trucs, ouais. C'est large, c'est large. Alors que le bouillon, tu vois... C'est la fête, c'est les fesses, c'est la fête. La fête. Et du coup, comment t'arrives à faire ce mélange entre ce que t'es toi en tant que dripper machin et ce que les gens ont l'habitude d'entendre sur du bouillon? Est-ce que ça se trouve t'as même pas fait exprès? Comment t'as fait pour... Dans la façon d'écrire le texte, je mélange un peu. Okay. Tu verras, tu réécoutes le son, tu verras un moment, je parle de Honey Chip, La Beach, c'est pour ça que Ovin, tu vois, ça c'est la partie trapping. Et après tu verras... c'est ce qu'ils aiment. C'est comme ta façon de procéder sur tout type de musique. C'est ça. L'écriture, c'est toi. C'est ta façon de faire, en vrai.
Ok, ok. J'ai cette façon de faire là, enfin, je sais pas si elle est bonne, mais. Oui. D'ailleurs, bon, peut-être que ouais, d'ailleurs, ouais, c'est passé. Ok, ok, ok. Ok, frérot. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour la suite? Qu'est-ce qui arrive même par rapport à. Tu m'as dit, il y a un clip qui va sortir du projet. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets encore? Est-ce que tu as d'autres clips que tu vois faire? Est-ce que non, tu vas passer à autre chose? C'est ça, hein, comme là, je vous ai dit, je vais sortir le projet Afro, là, avec mon gars, là, mm-hmm. Angé. Et après, il y aura encore d'autres projets, tu vois. De toute façon, on est là, on aime bien la musique, on va en faire, donc okay. Regrouper des sons, c'est ça qui forme un projet. Ouais. Donc au final, ouais, il y en aura. Okay. Il y en aura, tu vois. Ok, ok, frérot, ok. Eh ben, merci en tout cas de votre temps, les gars. Il n'y a pas de soucis, Smash. Oui. J'adore le Super Smash.